le tuer. Mieux vaut prendre des responsabilités en tant que parent pour le faire former. Et pour la formation des enfants, nous avons une formation gratuite que nous offrons à tous les enfants qui ont ce support-là. Donc, vous pouvez faire votre commande déjà. Si votre enfant a ce support, c'est un livre au programme. Ce n'est pas quelque chose de bizarre qu'on est en train de vous présenter. C'est autorisé par arrêté ministériel en 2020 et en 2022. Donc, prenez vos responsabilités, faites former vos enfants en méthodologie avant de leur exiger le résultat. Et quand vous les formez, vous devez les suivre. Les suivre en les motivant. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Je récapitule rapidement pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Les enfants ont des besoins physiologiques auxquels nous devons satisfaire. La faim, la soif, la santé, j'ai déjà dit ça. Le besoin de sécurité, nous devons rassurer nos enfants que nous sommes là pour eux. Nous devons nous battre pour le bien-être de nos enfants. Nous devons nous battre pour mettre nos enfants dans de meilleures conditions. C'est de notre responsabilité. Je le dis, j'ai regardé un film ce midi qui m'a fait couler les larmes. Le parent n'ayant pas grand moyen, c'est ce que je dirais, non? Bon, pour le parent, c'est parce qu'il n'a pas grand moyen. Mais pour l'enfant, il a les moyens, mais il ne veut pas mettre à sa disposition pour qu'il puisse aller loin dans ses études. Et l'enfant s'est battu seul pour se réaliser. Et quand la maman s'est présentée, vous ne pouvez pas savoir comment cet enfant-là a traité sa propre mère. C'est pour vous dire quoi? Lorsque nous faisons des erreurs, c'est des choses qui nous suivent à la longue. Nous n'avons